Bah salut les potos et bienvenue sur la chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau glitch qui est en premier pour les pauvres, d'accord? Donc pour les pauvres ça va vous aider beaucoup beaucoup beaucoup. Et pour les riches, si vous voulez, ceux qui sont assez riches, d'accord, à peu près, qui ont quelques millions et qui veulent encore de l'argent, et ben y a pas de souci, ce glitch est aussi pour vous. Donc déjà il faut que vous vous rendez dans un casino, d'accord, que vous ayez un petit minimum de jetons, d'accord, même 1000 jetons, 5000 jetons, ça marche. Ensuite vous allez aller sur la borne et vous allez aller miser sur un cheval. Le cheval, il faut qu'il y ait un sur un, d'accord? S'il y a un sur un, c'est parfait. Il faut pas qu'il y en a que, il y en a deux qui sont un sur un. Il en faut qu'un seul, un seul cheval où il est marqué un sur un. Ensuite, vous allez miser, d'accord? Donc pour commencer, pour la première fois, ne misez pas beaucoup, d'accord? Parce qu'on va gagner sur 10, sur 10 parties jouées, on va peut-être perdre 2-3 fois, d'accord? Donc, s'il y a un cheval qui est sur un et pas d'autre, vous allez lancer la course, d'accord? Au début, peut-être vous allez perdre 2-3 fois, mais vous allez voir après dans la suite de la vidéo, je vais enchaîner la victoire. Et vous allez voir que j'ai acheté 50 000 jetons parce que je n'avais plus. Donc j'ai acheté 50 000 jetons et là, à la fin de la vidéo, je repars avec plus de 80 000 jetons. Donc là, regardez les poteaux. Pour la première fois, j'ai perdu, d'accord. Donc je ne savais pas trop comment se jouait le glitch. Mais j'ai fini par comprendre comment se jouait le glitch. Donc là vous avez vu, regardez, là il n'y a pas 1 sur 1. Donc vous faites rond rond, vous rappuyez sur croix, vous refaites miser. Hop, le 1 sur 1, là à gauche vous avez vu, il est revenu. Donc là je vais reparier, d'accord. Donc pour les 2-3 parties, les 2-3 premières parties, ne pariez pas beaucoup les potos. Pariez sans jetons, parce qu'en fait je crois que c'est les 3 premières parties que l'on perd le plus, d'accord. Et le reste on ne fait que gagner. De toute façon vous allez le voir dans la vidéo. Donc là je crois que je vais même perdre, oui, je vais perdre, mais vous allez voir après que je vais enchaîner la victoire. Et ça franchement c'est un vrai glitch très très bien pour les pauvres et vous allez pas le regretter. Pour ce glitch les potos, n'hésitez pas à me faire bombarder la barre de like. En moins de 24 heures je souhaite atteindre à peu près entre 50 et 100 likes, d'accord. Donc allez regarder les potos, on fait rejouer quand on a perdu les trois, à peu près les 3 premières parties. Mais vous allez voir que c'est pas du fake, y a rien de tout ça. On va bien gagner. Donc là regardez les potos, il y a 2 sur 1, il n'y a pas de 1 sur 1. Donc je fais rond rond, je rechoisis, je refais miser, hop 1 sur 1. C'est le seul, regardez, c'est le seul, il n'y en a pas d'autre qui a 1 sur 1. Donc à ce moment là je vais dessus, je mise. Donc là on a fait à peu près 2 parties. On va rester à 1000 jetons, d'accord. Parce que ça, je crois que c'est la dernière partie où je vais perdre. Après vous allez voir que je vais vraiment miser beaucoup beaucoup. Parce que je suis sûr de moi que je vais gagner le reste de la victoire. Donc regardez les poteaux. On parie, hop, on a toujours notre cheval. C'est le 1 sur 1, d'accord. Et on va attendre la fin de la course. Et vous allez voir que ensuite moi je vais enchaîner la victoire. Et ce sera pareil pour vous. Donc regardez les poteaux, hop, là c'est parfait. C'est la première partie où je gagne. Après je ne vais plus perdre. Vous avez vu, j'ai misé 1000 jetons et là je repars avec 2000. Donc là regardez, il n'y a pas de 1 sur 1. Il y a 2 sur 1, 2 sur 1, il n'y en a pas. Donc je fais rond, rond. Je refais croix, je refais miser. 2 sur 1, 5 sur 1, il n'y en a toujours pas. Donc je fais rond, rond, croix, je refais miser. Il n'y en a toujours pas des 1 sur 1. Donc je relance le jeu. Hop, toujours pas. Donc je fais rond, rond, croix, je remise. Toujours pas. Donc on recommence. Hop, on remise, 1 sur 1, c'est le seul. Oui, c'est le seul les poteaux, donc on le valide, d'accord. On mise dessus et hop, on va miser là le maximum. Parce qu'à partir de moment là, dès qu'on a perdu 2-3 parties et qu'on enchaîne les victoires, on peut se permettre. Donc là, je me suis mis à 7000, ça va être bien, d'accord. Mais vous pouvez parier 10 000 pour gagner 20 000 et tout ça en illimité, d'accord. Donc regardez, franchement moi quand j'ai vu ça, j'étais vraiment perdu, je me suis dit mais what the fuck. Mais comment ça se fait que Rockstar a laissé un très très gros glitch comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi je vous le partage au moins comme ça, avant qu'il soit patché, vous pourrez vous faire un maximum d'argent, d'accord. Donc hop, là j'ai perdu, mais c'est pas grave les potos. Vous allez voir que je vais bien vraiment enchaîner juste après ça les victoires. Et vous allez constater par vous-même, d'accord. Entre 10 parties jouées, ça se peut vous perdez 3 fois, d'accord. Pas plus, pas plus. Je vous rassure les potos, pas plus de 3 fois vous allez perdre. Donc là j'ai perdu, c'est pas grave, d'accord. On va se remettre, donc on va faire rejouer. On va faire rejouer, on va attendre qu'il y ait un cheval qui est à 1 sur 1. Et on va pouvoir enchaîner le reste jusqu'à ce que on gagne. Vous avez vu, j'étais à 50 000 jetons. Là, j'ai gagné une fois, j'ai perdu 3 fois. Je suis descendu à 41 000. Donc là, j'ai pas de chevaux à 1 sur 1. Donc je relance. J'ai pas de chevaux à 1 sur 1. Je fais annuler. D'accord. Je fais annuler. Hop, croix.
je remise 1 sur 1. C'est le seul, oui c'est le seul. Là les potos, je vous rassure, à partir de maintenant, on ne va faire que gagner, regardez. Là je vais miser au maximum, regardez. Là je suis sûr de moi, je vais pouvoir miser au maximum 10 000 pour gagner 20 000. Et vous allez voir que quand vous avez perdu exactement, hein, quand exactement vous avez perdu 3 fois, vous ne pourrez plus perdre. D'accord ? Il faut que vous ayez perdu 3 fois. Donc tant que vous n'avez pas perdu 3 fois, ne pariez pas plus de 100 jetons. Dès que vous avez perdu 3 fois, vous pourrez parier au maximum à 10 000. Donc là, regardez. Là, moi, j'ai perdu 3 fois. Là, celle-là, ça va être la prochaine partie. Regardez, là où je gagne. Je ne peux plus perdre. J'ai déjà perdu 3 fois. Là, maintenant, je ne peux plus perdre. Donc, je ne peux me permettre de parier 10 000 jetons. Regardez les potos, j'ai gagné 20 000 jetons. C'est un très, très gros glitch. Vraiment parfait. Donc là, hop, je remise. J'ai toujours pas mon cheval 1 sur 1. Donc je fais rond, je remise. Hop, le premier c'est un 1 sur 1, il n'y en a pas d'autre, c'est parfait, je me mets dessus. Et je remise, on remise au maximum, d'accord. Quand on a perdu 3 fois, on ne sait qu'on va plus perdre, on remise au maximum. Ou 7000, je vous fais voir qu'on peut miser ce qu'on veut, hein, d'accord, il n'y a pas de souci, hein. Donc hop, là vous allez voir, mon cheval va gagner. Vous allez voir, au début il est un peu à la traîne, mais n'ayez pas peur, d'accord, c'est normal. Il prend son temps, il fait courir les autres chevaux, et après... Hop, ça devient une fusée et il va rattraper tout le monde pour gagner la ligne d'arrivée, d'accord. Là, regardez, là, plus personne peut me rattraper, d'accord. Lui, il va courir, il va essayer de me rattraper, mais regardez, le cheval est aussi vite épuisé et hop, j'ai gagné la course. J'ai parié 7000, je vais remporter le double, donc le gain de 14 000 jetons. Ensuite, on remise. Là, j'ai un 1 sur 1, d'accord, c'est parfait. Le premier, c'est 1 sur 1, j'en ai pas d'autres de 1 sur 1, donc c'est bon. Je vais pouvoir cliquer dessus. Et miser la somme maximale, d'accord. Donc vous misez ce que vous voulez, mais quand vous avez perdu 3 fois, n'ayez pas peur, vous pouvez miser 10 000, d'accord. Vous n'allez plus perdre. Donc c'est parti les potos. On va attendre que notre cheval gagne la course. On va remporter nos 20 000. Donc on va récupérer nos 10 000 plus les 10 000 parce qu'on a gagné, d'accord. Et ça c'est vraiment un glitch très 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 cool. Vous allez voir, c'est du glitch illimité les potos. Vous faites ça en illimité, vous faites ça pendant plus d'une heure. Vous avez plus d'un million, hein. Croyez-moi, vous avez plus d'un million, hein. 20 000 par 20 000 par 20 000, franchement je vous dis, ça va monter très très vite. Donc regardez, hop, mon cheval numéro 1 qui est en cote de 1 sur 1 a encore gagné, j'ai gagné 20 000. Je vais vous refaire voir ça encore une ou deux fois les potos. Regardez, là j'ai pas la cote de 1 sur 1, donc je fais rond. Là je remise, j'ai toujours pas le cheval numéro 1 avec la cote de 1 sur 1, donc je recommence. Vous voyez, je fais rond, croix, hop, 3 sur 1 c'est pas un 1 sur 1, je remise, 3 sur 1 c'est pas un 1 sur 1, je remise, c'est pas, donc je fais rond, rond, croix, je relance, je remise. Ah regardez, cote 1 sur 1, il n'y en a pas un deuxième, c'est parfait, je vais pouvoir miser sur la cote du 1 sur 1 sur le cheval numéro 1. D'accord. Donc si vous n'avez pas trop bien compris le principe, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ou insultez-moi en PSN, je viendrai vous aider, il n'y a pas de souci pour ça. Même dans les commentaires, dites-le moi, je viendrai vous aider les potos, d'accord. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc regardez les potos, mon cheval 1, il y a une cote de 1 sur 1, c'est parfait. Il va pouvoir gagner la course. J'ai misé 10 000 sur lui et en fermant les yeux, je suis sûr qu'il va gagner, d'accord. Vous pouvez être persuadé qu'il va gagner. Tant que vous ayez perdu 3 parties, après ça, vous gagnerez en fermant les yeux, d'accord. Vous êtes sûr de gagner. Donc là, regardez les potos. J'ai gagné 20 000 jetons, encore une fois. Au début, j'étais à 50 000, j'ai perdu 3 fois. Et là, je fais que gagner, je remonte à 78 000. Là, regardez mon joueur, donc mon cheval numéro 1, il y a une cote de 1 sur 1, d'accord. Les autres, ils en ont pas. Donc, je vais pouvoir parier 10 000 jetons, encore une fois, sur mon cheval. Hop, 10 000 jetons, je parie. Là, vous allez voir, je vais gagner en illimité. Donc moi, j'aurais bien voulu faire ça, en illimité. Mais comme j'ai dû faire la vidéo, j'ai dû quitter. Mais juste après le montage de ma vidéo, moi, je vais continuer ça avant que le glitch ne soit patché, d'accord. Donc regardez, mon cheval, hop, il a couru. Là, il se laisse un peu de repos, d'accord. Et hop, là, il va repartir. Regardez la fusée que c'est. Et il va encore gagner la course. Donc boum, vous avez vu les potos, c'est vraiment un glitch très 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 cool et très très bien pour les pauvres. Donc regardez les potos, j'étais à 50 000, là maintenant j'ai perdu 3 fois, j'ai gagné le reste, je suis monté à 88 000. Et pour continuer, regardez là, il y a deux cotes, 1 sur 1 et 1 sur 1. À ce moment là vous faites rond et vous recommencez, parce que la cote à 1 sur 1, il faut que c'est que le premier cheval qui l'a.
En tout cas les potos, moi j'espère que ce glitch vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification, liker, partager et commenter. Si vous avez des petits soucis, c'est très très important. Sur ce, moi je vous souhaite un très bon glitch et une très bonne réussite. Allez, salut les potos.